Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et de la duchesse Meghan Markle. On va parler de leur départ pour les États-Unis. Le prince Harry a été entendu au tribunal aujourd'hui. C'était par rapport à sa demande que la RAVEC considère sa position sur l'octroi d'une sécurité pour lui et sa famille. Mais c'est plus pour lui. Hein. En tant que membre de la famille royale, il explique qu'il est né prince du royaume et qu'il a été la victime d'insultes, de menaces de la part des personnes d'extrême droite et que le fait qu'il ne soit plus membre travaillant de la famille royale ne change rien à sa position. Ce qui est vrai parce qu'il est toujours le prince Harry, toujours le fils de roi, toujours une potentielle victime d'un enlèvement ou pire que ça. Donc il explique qu'il doit être protégé et qu'il souhaite d'ailleurs même avancer le paiement de cette protection-là par bien sûr les services de l'Angleterre. Donc aujourd'hui on a entendu son témoignage dans lequel il expliquait qu'il aurait aimé s'oser en Angleterre et qu'il a été forcé de démissionner de la famille royale. On ne dit pas de quitter la famille royale, hein, parce qu'il est toujours un membre de la famille royale. Il est né dans la famille royale, il restera dans la famille royale. Il a juste déménagé de l'autre côté de l'Atlantique. Et il dit qu'il aurait aimé que ses enfants, Archie et Lilibet, fassent partie, vivent en Angleterre, car l'Angleterre est son pays et en partie leur pays. Il aurait aimé que ses enfants grandissent ici, mais que ça n'a pas été possible à cause bien sûr de tout ce qui s'est passé auparavant. On parle de la toxicité des médias, on parle de la famille royale, on parle des pressions qui ont fait en sorte qu'il choisisse de s'en aller avec sa famille. Donc c'est ça qu'il a dit devant un tribunal, son témoignage, sa déposition qui a été lue sûrement par son avocat. Au départ, les gens pensaient qu'il avait fait le voyage pour venir ici, c'était la rumeur qui courait sur Twitter, mais ce n'est pas le cas, il n'est pas en Angleterre. Et ça brise le cœur d'entendre ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Parce que se retrouver à avoir à changer de pays parce qu'on n'est pas accepté dans le sien, parce que certaines personnes de son pays, notamment les médias, lui rendent la vie impossible, je trouve ça quand même terrible. Voilà, je voulais partager ça avec vous, n'est-ce pas? Si j'ai plus d'informations, je vous en parlerai. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.